des questions comme qu'est-ce que je vais apprendre de cette histoire? Qu'est-ce que je veux apprendre des personnages ou mon mystère et ma relation avec Jéhovah et aussi des frères et sœurs dans la congrégation? Prenons un exemple. Imagine que tu es en train d'examiner le livre des Actes. Voyons comment nous pouvons appliquer ce conseil. Tu lis pour moi Actes 18, 24 à 25, s'il te plaît. Ok, avec ton carré. On y lit un certain juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent, arriva à Éphèse. Il était versé dans les Écritures. Cet homme avait été instruit oralement dans la voie de Jéhovah et, comme il était brûlant de l'esprit, il parlait et enseignait avec exactitude les choses qui concernaient Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Merci. Tu vois, ces versets parlent d'Apollos. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans ces versets, s'il te plaît? Donc, on dit qu'il était éloquent, brûlant de l'esprit, et il enseignait avec exactitude les choses concernant Jésus. Et aussi, bon, ça veut dire qu'il refutait aussi les arguments que les Juifs présentaient contre Jésus. C'est bien. Ce sont des qualités que nous avons toutes les deux besoin pour notre ministère. L'art de convaincre, enseigner avec exactitude, c'est enseigner ce qui est conforme à la Bible avec les publications de l'Esprit fidèle et avisé. Et à la fin du verset 28, il a dit que pourtant il ne connaissait que le baptême de Jean. Autre leçon, c'est que pouvons-nous être zélés même lorsque nous ne savons pas beaucoup sur la Bible? Est-ce que nous savons seulement Psaume 83, verset 19, de la parole de Dieu, verset 3 et 4, Psaume 37, verset 9 à 10? Comment être zélés à montrer aux gens les choses bonnes que Jéhovah va donner très bientôt? Ben, ça, c'est vrai, on peut être zélés. Et je comprends aussi que je peux oublier aujourd'hui que j'ai un discours avec toi. Mais comme tu m'as fait comprendre, je ne dois pas oublier qu'on doit enseigner ce qui est conforme à la Bible. Très bien. Avant d'autres choses sur ce personnage, je vais lire pour toi à 18, verset 26. À 18, le verset 26, il est dit, « Et cet homme commença à parler à Dimon dans la synagogue. » Quand Prissy et Aquila l'entendirent, et ils le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'est intéressant ces versets. Il est dit ici qu'Apollos parlait hardiment. Cela veut dire qu'il avait une certaine assurance quand il enseignait. C'était un bon orateur. Et pourtant, Marie-Jean. Oui, c'est vrai. Pourtant, il a accepté quand même que Priscille et Aquila, qui l'ont entendu prêcher, lui exposaient exactement la voix de Dieu. Il était humble alors. Tu vois, Marie-Jeanne, un jour peut-être tu vas oublier cette histoire, mais c'est sûr que tu ne vas pas oublier d'accepter qu'on te donne des conseils pour améliorer ton ministère. On en a toujours besoin de conseils pour améliorer notre ministère. Et maintenant, je pourrais te demander, comment Apollos réagissait-il quand certains disaient qu'il appartient à lui ou à Jésus ou à d'autres et même à Céphas? Des camps s'étaient formés dans la congrégation de Corinthe lorsque certains chrétiens croyaient en éloquant Apollos leur chef. L'apôtre Paul a rapidement redressé la situation en envoyant une lettre à la congrégation. J'ai pas lu la Bible à qu'Apollos avait une réaction positive ou négative. Dans tout cela, mais le fait que Paul le priait instamment après avoir pu visiter la même congrégation, cela veut dire dans son humilité, il ne laissait pas cette situation entraver l'unité dans la congrégation. C'est vrai qu'Apollos était un bel exemple. Et dans notre conversation, tu as mis en évidence des leçons que je peux tirer pour moi-même de la vie d'Apollos. Donc, même si on a une connaissance seulement de base, on voit l'exemple d'Apollos, on peut être zélé pour montrer aux gens les bonnes choses que Jéhovah va apporter aux humains.
Et Apollos, on a vu qu'il était humble parce qu'il était zélé dans les Écritures, mais il a quand même accepté d'être formé par Priscille et Aquila pour lui exposer exactement la voix de Jéhovah. Et on a appris aussi que ça lui permet d'améliorer son ministère. Et ensuite, j'ai appris aussi que, d'après son exemple, on doit éviter de former des clans pour ne pas gâcher l'unité de la congrégation. Oui, j'aime ça. Alors.